Hey yo Fox, c'est K-Drive, vous allez bien? Donc nous revoilà pour la suite. La suite et fin de ce mode de survie avec Jill Valentine. Donc nous voilà enfin dans le labo. Et sans plus tarder, hein, on va continuer. Bon alors, avant toute chose, je tiens à vous signaler qu'on ne fera pas les disques émo et que donc on ne sauvera pas Chris, hein, bien sûr, bien évidemment. Et voilà, parce que pas envie de sauver, et puis de toute façon, espèce de salaud, va. Que de toute façon j'ai pas envie de le sauver, c'est mort, voilà. Et sinon rien du tout, on va se presser d'aller jusqu'à la fin, bien sûr. Bon, bien sûr, j'ai pas le lance-grenade, mais tant pis. On va faire avec. Normalement, je devrais trouver, normalement, je pense, suffisamment de balles de magnum, je pense. En théorie. Bon, bien sûr, c'est vachement musclé quand même. Dans le sens où, à mon avis... ça va pas être de la tarte, mais bon, on devrait y arriver, il n'y a pas de soucis, malgré qu'on soit en mode survie. Ah, par contre, je crois qu'il y a des cartouches par ici là, non? Ouais, parce que à mon avis ils ont tout enlevé, hein, ces chacals. Un lot de piles. Il y a autre chose ici, c'est pas possible. Il n'y a rien d'autre. Ah là 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 là. Ah, il y a peut-être... Non, il n'y a rien ici. Ah, sale satané de stick là. Allez, chiant. Tu te fous de ma gueule là? Voilà, ça c'est fait. Bon, il n'y avait pas des cartouches ou quelque chose là. Bah, c'est chiant là. D'habitude on trouve un tas de choses. Bon, j'avoue que là, en mode survie, c'est très très limité. Faire gaffe.
Ah, et lui là, ah, du coup, il va peut-être se lever, lui, ce con. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Moi, j'ai quoi là? Ça va, j'ai quand même de la place. Hop, oh, par contre. On va prendre vite fait ce soin, histoire d'être fine. C'est quoi ça? Ah, c'est le disque. Je croyais que c'était des cartouches. Et ouais, et là, il n'y a même pas de spray. Oh les salauds! Ah, il est vraiment que dalle. Là, c'est démerde-toi, quoi. Alors, c'est quoi que je me rappelle du code? 84, 62, je sais plus. Ah, si, c'est ça. Je sais pas si le mode survie avec Chris ça change, je sais pas. Mais en tout cas c'est déjà bien bien raide avec Jill. Hein. C'est vrai que je peux déverrouiller là de toute façon. Attention ici, c'est juste pour prendre la bonbonne. Ça, on va le prendre direct, bien sûr. Ça, les radios, on s'en fout. Oh les enflures! Vous avez vu un peu? Les 16 enfoirés. Ils vous donnent rien, que dalle! Salut Chris, je suis là, mais t'inquiète, hein, tu peux toujours crever. Crève, 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 j'ai pas envie de te voir. Hein. Vous avez vu que sans la visée automatique, c'est quand même assez ardu. Hein. J'ai eu le réflexe quand même de me retourner, mais c'était vraiment limite. Hein. Bon, ici y a rien, on s'en fout. Alors, ça va être franchement les munitions, elles vont être pile poil. Ah, ici, on va pas blaguer. Ah non, ça c'est à Berry. Ok, d'accord. Pas se gourer hein, dans les magnums là. Ouais, il faut que j'arrive à faire direct, c'est fait. Ouais, il faut vraiment jouer l'économie là. Oh là 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 là. Ouais, ça se trouve il est pas mort hein, ce connard.
Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Mais c'est vraiment stratégique la fin là. Faut surtout pas faire de conneries. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Oh, une plante, oh, oui, génial. Oh, vous êtes. Oh. Vous êtes vraiment énorme. Putain, les salauds, quoi. Juste une plante. C'est pas abusé ça. une boîte en métal juste pour une plante. Foutage de gueule à donf. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On est quand même en mode survie, c'est vrai qu'il faut quand même pas abuser. Alors, t'es mort toi ou pas là? Ah, il est pas mort, hein, cette ordure. Lui, il faut le crever parce que sinon, après il va vous saouler, hein, bien sûr. Après pour bon, ça c'est fait. On a fait quasiment le plus gros là. On va dire que ici c'est nettoyé. Je sais qu'il reste quelqu'un là dans les parages. Lui, on va le crever au... Putain, on enchaîne ta gueule. Oh oui, un petit poignard, ça va le faire ça. Rien d'autre ici. Bon, est-ce que la zone est nettoyée? Normalement, oui. Bon, on va aller récupérer direct le récipient. Bien sûr, en shootant les bébêtes. Hein. C'est ce que je redoute quand même le plus, hein, dans l'histoire. J'ai combien de... J'ai 3 balles de pompe. 3 cartouches de pompe. Ça va être tendu. Mais bon. Ça devrait le faire normalement. Tiens, un manchin, ta gueule. Tu crèves? Tu crèves ou quoi là? Ne me gonfle pas, saloperie. D'ailleurs, on va refaire un demi-tour, on sait jamais. Je préfère être sûr de bien avoir nettoyé la zone. Cette zone-là, surtout, c'est la plus importante. Bon, voilà, c'est propre. En théorie, il n'y aura plus personne ici. En plus, j'ai nettoyé en haut, c'est nickel. Ça devrait aller sans encombre. Ah, par contre, il faut que je fasse gaffe à lui là, parce que là, à mon avis, lui. Oula, il est plus là. Pop, pop, pop. On va quand même s'armer au cas où.
À mon avis, il était mort donc. Oui, je le sais, merci. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Passage délicat, hein, bien sûr. Nickel, impeccable. Bon, on peut aller réactiver tout ça. Ouais, bien sûr, bien faire gaffe ici. Hein. Parce que mine de rien, il plaisante pas. Même si il vous tranche pas la tête. Faut quand même rester vigilant. D'ailleurs, on va prendre la plante là. Et on va prendre le magnum. Allez, direct, on prend l'ascenseur. Voilà, mesdames et messieurs, ça sent la fin. Bon, en tout cas, hein, bien sûr, hein, je ne le referai pas avec Chris, hein, à mon avis, le mode survie. Mais voilà, c'était vraiment pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Bon, sinon en gros on peut constater quand même que le jeu ne change pas d'un penny, hein. Si ce n'est que on a moins de soins et on a moins de munitions pardon. Donc voilà, tout simplement. Bon, on va laisser la scène avec Tyran, hein, d'ailleurs. Pour le fun. Car je vais me rouler une petite cigarette en attendant vite fait.
Why eliminate stars? Believe it or not, that ça permet de voir aussi le costume de Jill. So having stars nosing about is an bon, bien sûr, hein, vous le connaissez, hein, son costume, hein, bien sûr, hein, c'est le costume qu'elle porte dans Resident Evil 3 Nemesis. Smart girl, but I think you misunderstand. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. La beauté de Jill Valentine. Umbrella. What? What are you planning? Ah, j'aime bien ce costume-là, franchement. I want to show you. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ouais, je la trouve vraiment sexy comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, moi j'aime bien. Et voilà le terrible tyran, donc la toute première naissance, hein, du tyran. Hein. Donc après, je sais pas si tyran ça prend un fait ou pas à la fin. Alors là, après, je ne sais pas trop quoi. C'est... Je dis ça parce que j'ai vu dans les notes là qu'il y avait écrit tyran avec un T. Et à un autre endroit, tyran santé. Donc après, bon, je sais pas. Moi, je sais que j'ai toujours mité. Alors, bon. Bon, après, je pense que ça s'écrit tyran avec un T à la fin, à mon avis. Donc voilà, sa première métamorphose. Terrifiant là le. Ah ouais, terrifiant. Il me semble que je l'avais jamais vu ce passage. Oh là, oh, il l'a défoncé. Et nous, on va le défoncer. J'espère qu'il va pas trop me gêner, par contre. Oh là là. Oh, ça va être compliqué, là, je crois bien. Alors là... Oh, j'ai eu peur. Je croyais que ça allait être plus dur que prévu, là. Oh là. Ah, je peux vous dire que j'ai quand même flippé, là. Là, il m'emmenait en plus jusqu'au bout, là, cette enflure. Voilà, on récupère la fameuse clé-clé. Pour pouvoir s'évader, donc. Déverrouillage. Et voilà, terminé. Hop, je vais où moi? Ah, quoi que je peux passer par là, il me semble. Si je me trompe pas. Bon, ça fait un sacré raccourci là. Bon bah voilà. Terminé. Bien sûr, on termine en solo, mais bon. Mais bon, on termine quand même. Sans Chris. Bah, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas une perte. Hein. Donc, ouais, c'est du coup, c'est un peu une fin dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. On aura quand même fait l'essentiel. En voir le bout en mode survie. Et c'est ce que je recherchais, moi, avant tout. Bien sûr, dans un temps plus... Et plutôt honorable, hein, espérons. Par contre, après, je sais pas dans combien de temps il sera bâclé finalement le jeu. Bon, bien sûr, on peut s'apercevoir aussi qu'il n'y a pas de compte à rebours, il n'y a rien. On part incognito. Et là, bien sûr, on n'est pas tout seul. Hein. Super zombie avec nous. Oh oui. Un duel. Non. Je crois qu'elle a pas envie de chercher la concentration. Vous voyez aussi un peu la rapidité du super zombie. Il a failli me tuer, cet enculé. Pff, salopard. Il a failli m'anéantir.
on est pas passé à... on est passé à deux doigts de la mort là. Ah ça aurait été un peu ah, ça aurait été le gros fight de la gros fight de l'année là à mon avis. Bon bah voilà, c'est terminé mesdames et messieurs. Bon, on va prendre ça histoire de hein. Ce qui sert strictement à rien de toute façon, puisque bon, dès lors que on aura franchi le. Bah, normalement, on devrait pas le rencontrer en haut, il me semble, un tyran. Normalement, sauf si après je me suis planté, quoi. Sauf si après je me suis planté dans le. Dans l'histoire. Et c'est Brad, je vais manquer de carburant. Alors lui Brad c'est pareil, il est trop marrant lui. Il apparaît deux fois tout cassé dans le jeu et il sert à rien. Pendant tout le jeu il nous cherche le Lascar. Il fait vraiment pitié lui. Bon bien sûr hein, c'est le pilote de l'hélico. Vous l'aurez deviné. Hein. Alors, on met les fusibles en place et on prend l'ascenseur. Voilà, Jill, c'est le monde. Au moins, elle est radicale, elle a décidé de laisser tout le monde en plan et de se barrer. Éventuellement faire tuer Brad Brad Barry plutôt. Elle est gonflée mais elle a peut-être pas eu tort hein, quelque part. Voilà, on récupère justement les fusées de détresse et normalement on en termine. On est seul au monde hein, en même temps. Bon, on va laisser la fin d'ailleurs. Il y a quelqu'un? Je suis toute seule là dans le manoir. J'aimerais bien me barrer. T'es où toi là, Brad? Amène tes fesses, cochon. Jill, seul dans l'hélico. Je crois que ça fait deux fois que je le fais seul, parce que bon... Pour le speedrun, j'étais obligé pour le speedrun. Donc... pour le mode survie, hein, c'est pareil, donc... Et normalement le manoir il explose pas normalement. En théorie il explose pas. Voilà donc. Soulagé d'en voir le bout. Miss Jill Valentine. Ils auront pu lui mettre quand même le costume actuel. Hein. Enfin bon après c'est que des détails. Hein. Bon, bien sûr, hein, je me répète, mais c'est une mauvaise fin, hein, évidemment. Mais bon. L'essentiel, c'était de voir le bout. Et on l'a fait. Bon, bah, sinon, d'ores et déjà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie en mode survie. J'espère néanmoins que... ce playthrough vous aura plu et que voilà quoi, vous savez à quoi vous en tenir si jamais vous le faites le mode survie. Voilà, à savoir que les plantes, tout ce qui est soins, on les trouve pas on n'en trouve pas à tous les coins de chaque endroit. Les ennemis sont plus forts. Les munitions vraiment très 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 réduites,
très réduit au niveau du contenu. Les mâles ne sont pas reliés. Et pour finir, pas de visée automatique. Donc voilà, c'est le mode survie. Bon, après, tout ce qui est mode invisible et mode... Les modes forest, zombies dangereux, je les ferai pas, hein, ça c'est sûr. Et je vais d'ailleurs en rester là pour sur Resident Evil. Enfin, voilà, bah, en tout cas j'aurai fait l'essentiel. Et voilà, en tout cas j'espère que ces petits let's play, playthrough review sur RE vous auront plu. Et voilà, bah, sinon moi sur ce, je vous dis... D'ores et déjà, à très bientôt pour la suite. Avec, je me répète, mais avec normalement ligne de mire The Last of Us. Voilà. Jill, you did a fine job. Ah, pas mal, hein. Pas mal. En plus, une photo inédite là. Et là, cette fois-ci, avec son nouveau costume. Ah, pas mal, pas mal, avec la malle. Ah, sympa la petite photo. Bon, je pense pas normalement avoir débloqué des objets ou quoi aux caisses, hein. À mon avis, ça m'étonne. Ouais, quand même, pour un mode survie, hein, 4h17, ça va, c'est correct. Ça reste correct, je suis quand même assez content de moi. Alors, on a débloqué quelque chose ou pas? Normalement, il me semble que non, hein. En principe, normalement... Voilà, donc normalement on débloque rien forcément. On va faire une sauvegarde sur la baie. Voilà, donc. Terminé. Bon voilà, d'ores et déjà je vous dis à une prochaine. C'était K-Drive pour ce review exceptionnel, j'ai envie de dire. Sur Resident Evil version remake de la GameCube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements sur ma page. En attendant, portez-vous bien et passez de bonnes vacances. Et, dans le pire des cas, hein, on se donnera rendez-vous, je pense, en septembre hein, maintenant. Hein. Voilà. Parce que, bon, comme je disais, hein, je vais prendre une quinzaine de jours de vacances. Hein. Donc forcément, je serai coupé d'internet. Voilà. Allez, bye bye.